low, low. Head on the smooth, you know serving is a no-no. Clean as a whistle as I pull out in my Rolls Royce. Yellow bone passenger, they see it, they say, oh boy. Tell Kelly, back it up, my niggas call me loco. Bravo Kenny, je t'ai vu répéter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais à quel point tu travailles, à quel point tu es passionné. C'est vrai que c'est toujours impressionnant dans aussi peu d'espace de maîtriser au centimètre près. Et là, je regardais, je voyais ta main par terre et je voyais la roue, même pas un centimètre de ta main. T'es courageux, hein? Bon, tu lui fais confiance, ouais, tu as raison. C'est incroyable, merci Hugo. Il a confiance. Bravo Kenny, super. Merci beaucoup, ouais. Merci à vous tous, merci Hélène. Je suis vraiment enchanté d'être dans ta team, c'est au top. Je suis vraiment content, merci. Il faut être fort, il faut être précis et il faut être fou pour faire ça. Et je trouve ce côté créatif d'amener un breaker en même temps et de faire ça, j'ai vraiment aimé. Bravo. Merci beaucoup. Ça va être dur. C'est deux registres complètement différents, ces numéros. Et ça va être un choix très, très difficile. Ouais. En termes d'empreinte carbone par rapport entre les deux numéros. Non mais sérieux mec, Kenny, mais tu le sais, je t'adore, je l'avais déjà dit quand t'étais passé. Tu nous en mets plein la tronche, c'est un show de folie. Quelle bonne idée, la mise en scène, de l'écran, la lumière, la fumée. Enfin, c'est juste nickel. Donc bravo à toi d'être le Merci leader de tout ça. Merci l'équipe technique aussi derrière. Ouais, mais enfin, bravo. Travail de malade. Ouais, mais t'es le leader de tout ça et ça crée un univers magnifique. Bravo les amis. Merci. Chapeau. Merci beaucoup. Quel carton. Kenny, un immense bravo pour la prise de danger, pour la technique, pour la maîtrise, pour galvaniser le public. Maintenant, moi, quand je regarde un numéro, il faut que ça m'élève personnellement. Il faut qu'à l'intérieur de moi, il y ait un cran en plus d'humanité. Et pour moi, je veux tourner la page de ça. Personnellement, pour moi, c'est vers ça qu'on n'ira pas du tout, qu'on n'ira plus. Le bruit, la fureur, le danger, la prise de risque, ça ne me fait pas bander. N'oublie pas qu'elle a son équipe contre toi. Ça ne m'impressionne plus. Voilà, mais je reconnais humain, d'humain à humain, que ce que tu fais, il n'y a pas beaucoup de monde sur la Terre qui font ça. Alors bien évidemment, vous êtes au sommet, mais moi j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de choses qui portent de l'espoir et qui ouvrent, quoi. Alors dans Mad Max, ouais, mais ici, j'espère que les gamins... Il fait rêver des tas de gamins, tu sais. Il fait rêver des tas de gamins, il faut que tu viennes à ses shows. C'est quelqu'un d'extrêmement positif, je le défends, c'est mon moi, candidat. Moi j'aimerais que les gamins rêvent sur autre chose. Oh, la mauvaise foi. Moi je préférerais que les gamins rêvent sur autre chose que sur le bruit, la fureur et les moteurs et tout bruit, ça. C'est pas juste le bruit, la fureur, c'est un dépassement de lui. Mais moi, c'est vraiment pas mon truc. J'ai besoin que ça m'élève et ça n'élève rien du tout. Ça, c'est vraiment un spectacle du 20e siècle. On passe au 21e, on passe à autre chose et on passe vers ça. Moi, je pense que c'est deux registres complètement différents. Ah oui, bah... Et moi, j'ai bandé un petit peu.